Oui, mais pas du bon monde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont aussi certaines communautés. Elles sont aussi dégueulasses. C'est vrai, ça. Moi, je suis pas agriculteur, mais je suis passionné et j'essaye d'apprendre un max. Oui, après, bien sûr. Mais justement, c'est ça que je dis. Moi, je suis pas agriculteur non plus. Après, oui, j'ai des notions d'agriculture parce que, ben, dans la famille, etc., j'ai eu des agriculteurs. Mais je suis pas là-dedans non plus. J'ai pas fait d'apprentissage là-dedans comme ça. Mais par contre, je me passionne pour le jeu, donc du coup ça fait de toi une personne qui est intéressante pour les autres aussi. C'est vrai qu'un influenceur, s'il vient et qu'il connaît rien du tout au jeu, c'est plus compliqué à discuter avec. Et puis souvent la communauté, bon, elle est moyennement intéressante. Puis après t'as ces influenceurs qui viennent juste pour se foutre la gueule du jeu. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je suis sur console next génération et j'aime aider les nouveaux venus. Je suis toujours là pour ceux qui veulent des conseils. Ouais, et ça c'est vraiment un truc aussi. C'est vrai que moi, au début, quand des fois sur le 22, j'avais des questions. Par exemple, à Black Bull, là, je lui pose sans arrêt des questions. Et Black Bull, il m'aide. Il m'aide parce que. Bah, il sait que s'il m'aide, à la fin du compte, bah, moi, ça me permettra de jouer mieux, voire plus facile. Et même, ça peut aider aux autres de se dire, ah ouais, j'y ai pas pensé, ça, peut-être qu'on aurait dû faire comme ça, ou la prochaine fois, je ferai comme ça, c'est pas une mauvaise idée. Et puis, c'est vrai que c'est une communauté qui s'aide monstre, quoi. C'est vraiment sympathique comme communauté. Farming, c'est vraiment. Et puis, c'est chill, quoi. Genre, c'est rare que j'ai quelqu'un dans le chat où tu te dis, putain, lui, c'est un vrai connard, quoi. Genre, vraiment, j'ai jamais, jamais eu ça. Jamais. C'est jamais arrivé, hein. Non, jamais. J'ai jamais eu besoin de bloquer quelqu'un sur Farming Simulator. J'ai eu bloqué sur autre jeu, mais sur Farming, jamais. 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 J'ai jamais eu besoin de bloquer qui que ce soit sur Farming. Je stream de temps en temps et je suis sur des questions que l'on me pose. Ah, attends voir, attends voir, attends voir. Attends, on va aller voir ça, on va aller voir ça, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui. Co co combien? Oh, 30 followers! C'est bien, bah ça fera 31. Voilà. Ça fera 32 avec moi. Oh, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Mieux que ça, je suis encore. Le Père Noël, il est. Voilà. Je suis le fils du Père Noël. Voilà. Voilà, et encore un. Qu'est-ce que. Nom de Deus. C'est qui a offert ça? Mike, il a offert un sub. Mike, il a offert un sub. Et il a envoyé encore 100 bits. Maintenant, t'arrêtes, Mike. Nom d'un chien. Merci beaucoup pour 100 bits. Merci beaucoup pour l'abonnement offert à Viking. C'est sympa. Merci beaucoup, Mike. T'es un chic type, Mike. Mais maintenant, il faut que tu arrêtes. D'accord? Trop. Ouais, t'es un T'as chic vu? type. T'es vraiment un chic type. Mais maintenant, tu arrêtes. Je te dis d'arrêter. D'accord? C'est stop. Black Bull, 34 maintenant. Tip top. Voilà. Viking. En un stream, 4 personnes de plus. À mon avis, d'ici ce soir, ça passe à 50. Pourquoi? Oh, parce que si c'est parti comme ça part, hein, parti d'un bon entrain comme ça, il y a moyen. Hein. Mais oui, mais moi j'aime bien aider comme ça. Moi j'aime Oh, bien. c'est vrai que c'est toujours plaisir. Hein. Oh, bon, ça me dérange pas. Moi, ça, je m'en fous. J'ai jamais eu un sentiment de compétition ou de je sais pas quoi. Je m'en branle les steaks, tu vois, je veux dire. Ça, c'est vraiment un Ah truc. oui, c'est. Quand je vois certains, d'ailleurs j'ai même arrêté de les suivre, hein, parce que quand je vois comment c'est devenu,
Au début, ça commence tout petit, ça te lit, puis après, ça devient gros et compagnie, ça t'ignore complètement, qu'alors que t'étais limite un pilier fondateur de la chaîne. Moi, je vois des cas comme ça, je me dis, c'est malheureux, parce qu'il y en a qui prennent la grosse tête. Ouais, ça, c'est pas faux, ça. Mais après, t'as les bons et t'as les mauvais. Et puis, il faut savoir trier, tu vois. Ah oui, c'est ça, c'est... Il y en a, c'est terrible. Le plus dur, c'est de trouver des abonnés actifs. Du moins, c'est notre mentalité à nous, mon patou. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est pour ça, Black Bull, qu'on s'entend bien aussi. Moi, je trouve, c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien, parce qu'on n'est pas... Genre, on n'a pas la grosse tête, quoi. On s'amuse, quoi. Genre, moi, par exemple, moi, j'aime bien venir dans tes streams, Black, parce que... Je sais que tu vas passer un bon moment, tu rigoles et c'est rigolo, quoi. Tu vois, je veux dire, et c'est ça que tu... C'est à la fin du compte ça aussi que t'attends dans un stream, quoi. C'est que tu vas et... Un moment de détente. Mais oui, un moment de détente, que tu t'amuses, que... Et puis, c'est vrai que moi, par exemple, j'essaye vraiment... Des fois, je loupe, mais je fais pas exprès, hein, vraiment pas exprès. Mais moi, j'essaye de lire tous les messages, tu vois. Vraiment tous. Ah oui. Et puis d'y répondre, m'intéresser un peu aux gens qui m'écrivent, etc. Parce que je trouve que c'est important. Parce que moi, par exemple, tu vas aussi sur des tout grands streams qui ont 2000, 3000 personnes. Mais ils se prennent même plus la peine de répondre parce qu'ils peuvent pas. Le stream, ça passe, le chat, il passe à une vitesse, mon pauvre ami. T'as même pas le temps de suivre. Moi, je suis là pour le fun entre amis. C'est pas mon gagne-pain. J'ai mon boulot. Mais voilà, si ça marche, je suis pas contre. Faut pas mentir. Non, mais après c'est. Après vous, je dis ça comme ça. Toi, Black Bull, si un jour ça démarre, et puis vraiment que t'arrives à tourner avec ça, si t'arrives à te sortir un salaire, tu vas pouvoir tourner. Moi, personnellement, je sais que jamais de la vie, je vais pouvoir tourner avec Twitch seulement. Jamais. Parce que je devrais me verser un tel salaire que c'est impossible. C'est impossible. Je pourrais jamais faire assez d'argent par Twitch pour me verser un salaire. C'est impossible. Alors oui, par contre, si t'as des partenariats avec 56 machins, que t'as, encore autre chose qui te fait une entrée d'argent, YouTube qui marche bien, Instagram, machin, etc. Ouais, là, peut-être que oui, tu peux réfléchir, mais sinon, t'oublies, moi, c'est impossible. Jamais de la vie, j'arriverai à me sortir un salaire, jamais. Tu vois, ami, c'est compliqué de gagner sa vie sur Twitch. Ouais, c'est fou, hein. Non. Non, en vivre, c'est impossible. Un petit compliment, oui, mais c'est tout. Ouais, mais après, vous devez vous verser... Ouais. Après, moi, je dis toujours. Vivre de Twitch... C'est méga risqué, n'empêche. C'est même tout ce qui est influenceur ou comme ça, c'est méga risqué. Oui, c'est pas facile, hein. C'est méga risqué parce qu'à moins que tu aies des contrats d'années qui te garantissent tant d'argent, etc., et puis que tu peux calculer, ça va. Mais si tu gagnes, si tu comptes que sur des abonnements et des donations et des trucs comme ça, t'oublies. Parce que c'est tellement... Il suffit qu'il y ait une merde quelque part, niveau financier chez les gens, ou qu'il y ait une merde, je sais pas, une crise financière totale dans le monde, ou je sais pas quoi. T'es foutu. Les gens, ils ont... Mais même, par exemple, maintenant, le Noël, ok. Bon, les gens, ils ont peut-être un peu... sont peut-être un peu plus gentils, te disent, on te donne un peu plus, parce que voilà, c'est un peu ma façon de te donner un cadeau de Noël. Donc, si maintenant, celui qui hésite de devenir, et puis qui a ce bon mois-là, où tu te dis, ok, là, c'est bon, j'ai fait une chier, bah, le mois prochain, suivant comment, t'es déjà dans la merde, parce que c'est pas du tout... beau, tu vois, je veux dire, c'est déjà foutu parce que les gens, ils se disent, non, maintenant, on a beaucoup dépensé en assurance, en autre chose, alors du coup, il faut que j'économise. Ouais, ben voilà. Et t'as déjà plus le truc.
C'est trop aléatoire pour pouvoir en vivre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup trop aléatoire pour en vivre. C'est ça le truc. Mais après, je dis. Ouais, non, c'est vrai. En fait, il y a tout qui est trop aléatoire. Alors, suivant comment tu peux descendre peut-être ton job, à la place de travailler 100%, tu le descends à 60%, et puis Twitch te complète le reste. Ça peut être faisable si tu penses que ça marche assez bien. Mais après, c'est vrai qu'il faut pas compter là-dessus parce que tu. Ou alors tu deviens un stream. Ou alors tu deviens un stream justement que moi j'aime pas. Où tu fais la pleureuse dans le stream à pleurnicher que les gens ils sont priés de te donner de l'argent. Et ça, c'est aussi un truc que ça me saoule. J'en ai vu une chier de ces streams-là comme ça. Et ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Il y a façon psychologique à tourner les viewers pour qu'ils donnent. Et puis ça, j'ai déjà eu vu aussi. Et ça, c'est pas sain, ça non plus. Parce Oui, qu'on est. la manipulation, il y en a beaucoup. Mais il y a de la manipulation aussi là-dedans. Et ça, je trouve ça, c'est dégueulasse par contre. Tu vois, ça, c'est un truc que je trouve vraiment dégueu. Ah, puis ils jouent sur le sentimental, ils jouent sur pas mal de trucs, hein. Ouais, mais il joue sur tout. Il joue sur le sentimental, il joue sur le fait de. J'ai vu des chaînes où tu pouvais choisir des chansons, mais il fallait au minimum donner 1000 beats pour avoir ta chanson. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, ouais, je sais pas. Est-ce que. Bon, 1000 beats, c'est quoi? 1 franc? Non. Faut enlever 2 zéros. Non, c'est 10 francs. Il y a un nouveau qui vient d'arriver. Non, je sais plus. Bon, bref. Tant pis, on s'en fout, mais. Mais genre c'est acheter des trucs comme ça et ça je c'est pour ça que moi je mets pas moi c'est pour ça que moi dans ma mentalité je dis il y a pas besoin de follower si vous êtes là parce que vous avez envie d'être là ben, soyez là vous avez y a aucune obligation de follow vous pouvez chatter avec moi même sans follow vous avez pas de pub. Si vous voulez donner un abo vous donnez un abo parce que ça vous fait plaisir donnez. Mais il y a zéro obligation, il y a aussi zéro obligation de regarder des pubs, parce que ça c'est un truc qui me saoule fois 1000. Donc du coup j'ai enlevé toutes les pubs. Alors si vous avez du pub, c'est pas de ma faute, parce que moi j'ai désactivé. Et puis... Ah ouais. Ok, 100 bits, 1,40, voilà. Et puis c'est ça que moi je dis, c'est pour ça que moi j'ai toujours... J'ai toujours enlevé là j'ai enlevé un temps moi aussi je mettais les pubs. Et puis après c'est vrai que t'as beaucoup de gens qui venaient chez toi puis qui disaient oh mais tu me fais caca avec tes pubs. Et puis après au bout d'un moment il fallait mettre 3 minutes de pub et tu étais à 50% et je sais pas quoi 50-50 si tu mettais 3 minutes de pub. Et puis en fait j'ai perdu une shit de gens parce qu'ils me disaient oh mais tu me fais chier avec tes pubs. T'es complètement Oui, malade de mettre 3 minutes, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, loin. Et puis, je suis le premier sur YouTube qui regarde des vidéos YouTube. Je suis le premier à dire, font chier avec leur pub. Alors, pourquoi je mets. Mais c'est vrai, c'est non? vrai. C'est vrai, non? Alors, autant enlever ces pubs. Ça sert à rien. Et puis, c'est comme les. Le pire, c'est quand tu veux chatter puis qu'il faut être abonné. Ça aussi, c'est aussi un truc. Il faut t'abonner pour pouvoir chatter, tu vois. C'est plus juste le simple follow et après tu peux chatter. Non, il faut être abonné pour chatter. Donc d'abord, tu prends des rangs pour pouvoir discuter avec le bonhomme. Et si t'as plus de rangs, tu peux plus discuter, tu vois. Comme c'est triste. C'est triste, ça. Ah oui, il y a plein de cas comme ça. Hein. Ah, moi, je trouve ça triste. Les copies, ce que j'ai déjà vu, moi, c'est. Ils ne disent pas t'abonner, mais tu regardes, par exemple, il y en a beaucoup qui font du React, hein, et qui vont présenter un documentaire et compagnie. Tu regardes toutes les minutes, c'est une pub. Pendant Ah 4 ouais. minutes, un peu. Tu vas voir, et la réponse au suspense de la question est, hop, tu te prends une pub. Tu te prends 3 minutes de pub toutes les minutes. Ouais. Mais sur Du coup, Twitch. ben, ah oui, sur Twitch.
T'as déjà eu des cas comme ça, moi? Ah, bah sur Twitch, je crois qu'ils étaient assez limités pour les pubs. Je crois que tu peux pas envoyer autant que tu veux, mais. Ah, c'est une minute, mais. Tu regardes ton truc, t'as à peine le temps d'avoir regardé deux minutes que t'as déjà une pub, quoi. Ouais, puis c'est surtout. Moi, je dis, voilà, c'est comme je disais hier à Black Bull. Sur Farming, tu nous. Non, attends. Sur Farming, tu fais tout. Viticulture, bois, animaux, ouais. Ouais, bois, non, moins. Bois, ouais. Oh, ça a bugué là. Oula. Bois, je fais moins. Mais j'ai envie d'aller aider Mike, peut-être, au bout d'un moment. Oh, bah tu verras, j'ai des super belles machines. Hein. Ouais, alors on fera peut-être un peu du bois sur mon terrain là. Parce que j'ai quand même pas mal de trucs à raser. Et puis, sinon, ouais, les animaux, je fais. Et puis, je veux faire une jolie production. Je veux faire un peu de tout, ouais. Je veux vraiment faire de tout. C'est un peu le but. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait des pubs sur Twitch. Ah, les pubs sur Twitch, ouais. Ouais, après, c'est comme je disais à Black, tu vois, ça prend du... On va dire, ça prend du sens. Si, par exemple, t'as, je sais pas moi, 2000 personnes sur ton chat, que tu envoies une minute de pub, ok, ça te fait un petit revenu tranquillou, mais... Ça te fait peut-être un petit revenu de quelque chose, mais à la fin du compte, ouais, c'est pas ça. À la fin du compte, si t'as, je sais pas moi, 4-5 viewers, c'est pas c'est un centime qui vont te changer quelque chose, tu vois. Ça fait sûr. Hein. Ça va plus te faire chier les viewers que ce que ça va te rapporter quelque chose, tu vois, c'est ça le oui. truc. Donc, je suis plus dans la mentalité de me dire, tu sais quoi, je m'en fous et je préfère pas faire chier les gens. Par contre, le train, je l'ai loué, mais il vient ou... Bah, je l'ai vu passer plusieurs fois. Faut attendre qu'il vienne. Ouais, normalement, il y a un truc, c'est marqué. Le train arrive tant, le train arrive à telle heure, tout ça, c'est marqué. Ah, le train arrive bientôt, 1,3 km, voilà. C'est bon. Bon, on va attendre, je sais pas. Mais il s'arrête automatiquement, j'espère. Oui. Sinon, faut mettre des pétards sur la voie, ça va le forcer à s'arrêter. Des cailloux. Ça, il déraille, ce machin. Chez moi, ils m'ont fait un coup comme ça. C'est vrai? Ils ont construit un mur en parpaing sur la voie ferrée. Ok. Pour, parce que c'était un train de... Ils croyaient que c'était du soja qui venait d'Afrique du Sud et quoi, des pays producteurs là-bas, là, qui polluent un max, soi-disant, tout ça. Ouais, et ouais. En fait, c'était du blé français qui était dedans. Bah, génial. Ça sent un peu gouré, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, bah, ça fait qu'ils ont fait des rayures à train. Dis donc, il arrive vite, le train, là. Oi ! À un moment, il va freiner. Oh là ! Merci beaucoup, merci pour le follow. Mouah, merci, merci. Il s'est arrêté le train. Il s'est arrêté, ouais. Il s'est arrêté. Mettre en marche le moteur. Bon, on va faire du train. On va avancer un petit peu. Et puis après, on va charger notre blé. Ça, c'est bien la première fois que je fais, hein. J'ai jamais fait ça, hein. J'ai jamais fait avec le train. Ah bah tu verras, c'est assez cool. Oh, les machines de... Merci, merci. Gundam, c'est gentil, merci beaucoup. Et puis c'est quand que je sais que je peux charger? C'est quoi dans le... Si jamais t'as besoin, j'ai une superbe pelle qui irait très bien pour... C'est dans le dernier wagon que je peux charger? Là, comment c'est le remplissage? Hein? Le blé, oui, bien sûr, ouais, moi j'ai que ça. Ah, il faut ouvrir, enlever... Non, mais je crois que c'est bon, là, j'ai pas eu besoin d'enlever les boches. C'est bon. Eh, j'ai jamais fait ça, c'est trop génial! Et merde, et Pierre Lengrat, c'est lequel côté, maintenant? Attends... Ça, c'est quoi, ça? Erlengrat. Oh non, il faut aller en marche arrière.
Ah non, tu peux aller des deux côtés. Les deux côtés, c'est Erlengrat. Oh, ok, cool. Eh ben, on va aller en avant, hein. Et puis tu peux changer les wagons comme ça. Sur le premier wagon, il faut ouvrir. Ah, bah moi j'ai mis dans le dernier wagon là-bas. Dans l'avant-dernier, j'ai mis. On peut zoomer un peu plus? Non, on peut pas zoomer plus, hein. Bah, dans l'avant-dernier, j'ai mis là-bas. Là-bas. Le train va t'éjecter à la limite de la carte. Ok. Et du coup, ça va automatiquement? Parce que m'éjecter, c'est gentil, mais. C'est génial, j'ai jamais pris le train. C'est génial. C'est trop cool. C'est dommage qu'il fasse pas le tour entier, ce machin. Ah oui, c'est dommage, non, ça me vient trop. Là! Le train se rend présent et Regan revient par l'autre côté de la carte. Voulez-vous que le train vende les marchandises à Erlengrad? Oui. Quarante-huit mille neuf cent soixante-douze. Tchou. Tchou. Et tu perds ta location. Tip top. Par contre, maintenant, je suis au cul du monde. Non, de venir te chercher. je me téléporte. Ah oui, c'est vrai. Je me téléporte. Si t'as 5 minutes, est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main pour amener mes machines à ma ferme? Yes, il faut un tracteur ou bien? J'ai 2 tracteurs à la ferme, tu peux Non venir? mais mon tracteur il me le faut ou... Ah non, je crois que c'est peut-être mieux de prendre le mien quand même. Ton pseudo me dit quelque chose. Je t'ai sûrement déjà vu sur une autre chaîne. T'es pas chez Doméludi. Attention, ça s'échange. Attention, verdict. J'aimerais tellement qu'ils répondent. Non, tu te trompes totalement, on s'est jamais vu. T'es qui toi? T'es qui pour me parler comme ça? Tu inventes totalement des histoires là. Quand tu vends le train, tu livres toutes tes graines au point de chargement, puis tu charges le train. Sinon, c'est 1000 balles à chaque chargement. La norme me dit quelque chose, mais je ne suis pas là. Oh non. Donc, mais lundi me dit quelque chose, mais je ne suis pas là. Je suis pas là-bas, non. Tu vois? Non, quand tu vends au train, tu livres tous tes grains au point de chargement. Puis tu charges le train, sinon c'est 1000 balles à chaque chargement. Ah! Ah, ok. Mais moi j'ai oublié de tourner, mon Dieu. Je sais pas où je vais, moi. Peut-être aller à ma ferme, ce serait peut-être mieux. Je viens Hein? de visiter ta ferme pour voir comment t'as aménagé. Bon, moi c'est le grand luxe. J'ai investi. Moi, tu verrais la mienne. J'ai investi dans la technologize. J'ai une éolienne. J'ai des panneaux solaires. J'ai dit, moi, il n'y a aucun écologiste qui peut venir me dire quoi que ce soit. J'ai fait le maximum que je pouvais. Bah, la mienne, j'ai des panneaux solaires sur tous les toits. Par contre, moi là, tu traverses des champs, mais je sais pas qui c'est. On va un petit peu arrêter de faire ça. Alors, soit. Attends, tu loues le train, 1000 balles l'heure ou la livraison. Ah, ouais, d'accord, ok. Après, le monde farming n'est pas bien grand et il est possible que l'on se soit déjà croisé quelque part. Oui. Alors, soit Xandaria, Xandoria, Xandoria. Putain, ça va vite.
Zando plutôt, oui. Ah, tu vois. Voilà. Non, c'est vrai que le monde farming n'est pas très grand. Hein. Il est quand même vachement plus prononcé sur YouTube. Ouais, j'ai l'impression. Je dirais pareil. Ouais. Par contre, du côté allemand, il est très 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 présent sur Twitch, tu vois. Ah, mais l'Allemagne, c'est un autre débat. Ouais, du côté allemand, il est très 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 prononcé, le Twitch, Farming Twitch. Il se passe des trucs là-bas qu'en France ou dans les autres pays, il se passerait pas. Hein. Que tu regardes, rien que déjà, je veux voir que rien que déjà que le modélisme ferroviaire. Hein. Limite dans chaque petite ville d'Allemagne, t'as une boutique. Mais de quoi tu parles là? L'Allemagne, c'est un autre monde. Ah oui. Que j'ai. Chaque fois que je vais en Allemagne, ils sont toujours sur une petite boutique. Par contre, en France, pour trouver une boutique, c'est la perle rare. Hein. Ouais. Mis à part les grandes qui se font par internet, mais sinon, ça n'existe presque plus en France. Hein. Voilà, et puis ça, j'ai bien pensé que ça allait venir. Farming est allemand, il me semble. Non, farming est suisse. Bah, c'est plutôt suisse ou allemand, je dirais, moi. Non, c'est suisse. Ah bon? C'est suisse. Le siège social est en Suisse. Ah, ça n'est pas ça. Oui. Ça, moi, j'aurais dit les deux. Non. Farming est suisse. Farming est suisse, mais ils ont plusieurs succursales. Donc, le siège social, maire, c'est suisse. C'est en Suisse, c'est près de Zurich. Et. La notion allemand. Et puis après, t'as un truc en Allemagne, t'as un truc aux États-Unis. Ils ont un siège à. Purée, ils ont un siège aussi. Ils viennent d'ouvrir, je crois, en Slovaquie, je crois, ou un truc comme ça. Mais ça, c'est tout neuf, ça, par contre. Ouais. Et en France, ils ont pas. Non. Et ça, j'étais étonné. Ça, ils ont pas. Bon, pour l'instant, ils ont pas. Hein. Peut-être que tout d'un coup. Tout d'un coup, peut-être ça viendra. Hein. Mais pour l'instant, ils ont pas. Pour l'instant, ils ont pas. Ah, mais tu me saoules. Quand tu dis farming, tu parles de Giant. Hein? Quand tu dis farming, tu parles de Giant. Giant, ouais, c'est suisse. C'est suisse. Mais c'est ça que ça m'a mis dedans parce que. J'ai pu penser que Zurich était alémanique. C'est pour ça que je me suis dit que c'était allemand. Alors, les Allemands, ils sont méga fans du jeu, mais le jeu, à la base, il est suisse. Oui, c'est suisse. Oui, mais comme je disais que j'avais pour moi que c'était. Je m'étais fait dans la tête que c'était allemand. Parce que je me souvenais pas que Zurich, ça parlait allemand, en fait. Ouais, bon, après, il y en a une chier qui... Oui, mais après, le siège de Giants, il est en Suisse allemande. Donc déjà, ça parle allemand, tu vois, je veux dire. Oui, mais c'est pour ça que je me suis fait avoir, moi. Ouais. C'était allemand, en fait. Non, c'est suisse. C'est suisse. Et il y en a beaucoup qui croient que c'est allemand, le jeu, mais non, il est suisse. C'est à cause de ça, en fait, justement. C'est même... Le ou un des meilleurs produits exportés... de Suisse, non? Ah, carrément. Ouais, carrément, ouais. Ah ouais, non, genre, c'est vraiment... ouais, c'est pas mal, ouais. En plus du chocolat, en plus. Ouais. Et des bons fromages. Ouais, et des bons fromages. Purée, mais je sais pas reculer une remorque pareil, ça me saoule. La raclette. Ouais, puis la raclette. T'es d'où, toi, en Suisse? Moi, je suis du Valais. Canton du Valais. Ah, j'adore ton accent suisse. Ouais. Ça fait peur. Hein. Il y en a beaucoup qui ont peur de cet accent, mais... Oh, bah, c'est souvent celui qui est le plus parodié. Le suisse? L'accent du Valais.
Ah oui, bon, après, c'est normal. Je trouve que les autres accents sont pas si prononcés que ça. Hein. Oh oui. Oh, le Jura, mon pauvre ami, alors. Le Jura, le Fribourg, oui, ils ont tous des accents. Genève, Genève aussi, ils ont leur accent, il est moche à chier, mais ils ont leur accent. Alors, on va laisser ça comme ça. Ouais. Ah, mais t'as des coins qui c'est plus prononcé, quoi. Oui, il y a des. Mais chacun a son accent, ouais. Oui, ça c'est sûr. Pourquoi je peux pas prendre ça maintenant? Avant ça, je pouvais prendre, et puis ça, maintenant, je peux plus prendre. C'est comme moi, à plusieurs reprises, on m'a déjà demandé si j'étais belge. Hein. Ouais. Parce que quand je vais sur Paris, tout ça, on croit que j'ai un accent, que je suis belge, parce que l'accent ardennais tire sur le belge. Ok. En même temps, on est à côté, on est à la frontière, il est à la frontière, donc ça joue peut-être aussi. Hein. Proche du lac alors. Non, ouais, non. Proche des montagnes, on va dire. Y en a plein de lacs en Suisse, hein. Ouais, mais là, Pas de bourg. non, mais je pense qu'il dit le lac Léman, mais non, je suis Ah pas oui, proche. les monts. Je suis pas. Ouais, oui, non, mais moi, je suis pas proche du lac Léman, non. Moi, je suis plus du côté montagne. Je suis après le coude de Martigny, comme ça. Dans la région Martigny, on va dire ça comme ça. Question un peu bête, la boisson Martini, elle vient de là? Non, je pense pas. Honnêtement, je sais pas, qu'une idée. Qu'une idée. Mais tu me poses des questions, mon pauvre ami, je sais pas du tout. Ah oui, parce que Martini, ça m'a fait... Ouais, non, mais alors. Qu'une idée, non, alors je sais pas du tout. Mais je pense pas, honnêtement. Mais elle est vraiment. Alors. Heureusement qu'il y a des panneaux solaires dessus, parce que sinon, alors cette hall, je l'aurais déjà vendue. Elle est trop petite! Voilà, comme ça, on fait un peu de la place par là. Hop, toi tu dégages. Tip top. Je joue sur World of Tanks avec deux copains suisses. Ah, ok. Ah, c'est cool aussi sur God of Tank. Oh, je sais pas, j'ai jamais joué. J'ai entendu plein de choses, mais jamais joué. Mais du coup, tu viens de où, Viking? De France? Ou Belgique, Suisse? Qu'est-ce qu'il y a encore? Canada? Ouais, Canada, Afrique. Ouais. Centre France.